بسم الله الرحمن الرحيم باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية للسيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني للإعلان عن لائحة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام المنتخب البرازيل بالمغرب ومنتخب بيرو بإسبانيا. لكم الكلمة كوتش. السلام عليكم. ما أول حاجة باش نبدأ نقول لكم أي واحد هنا شكرا على اللي دوزنا في المونديال إما معكم إما مع الجمهور. بغيت نقول لهم لا بروميير دي شوز سي ميرسي على الحب اللي حتىوا اللاعبة ولينا ملي رجعنا من لا كوب دي موند. بغيت نشكر سيدنا الله ينصرو على لاكوي اللي حتىنا ملي رجعنا اي سورتو على ليد اللي حتىنا قبل المونديال في المونديال لو مورال اللي حتىنا اي ابري المونديال. دونك فوالا وكلشي اللي كيدير علينا في المنتخب. دونك اجوردي on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger. Et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Metropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir, avant de donner les joueurs, l'idée première, l'Iken Andy, il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Makan Brich, l'ingratitude. Et Ocha, je sais qu'il y a beaucoup de gens, Nikesina, ont souvent beaucoup de changements, mais c'est ce groupe qui nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El Mgharba. Donc Mansaouch, le très bon travail lidero. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah. C'est ça? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc, on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et, Ima Yassine Bono du FC Séville. Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite. Reda Tagnaouti du Wydad. Et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Naif Aguerd de West Ham. United en Angleterre, Ranem Seys, le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shahdi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Joël Yamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alaves en Espagne, Yahya Atiatla du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azinounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal Al-Qannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nassiri, FC Séville, Espagne, Anas Zarouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, Al-Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al-Rayan, SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le mondial. Voilà.
الآن نمر إلى فقرة الأسئلة ونرجو من جميع الزملاء يقدموا أنفسهم والمربى اللي يشتغلون به والسؤال يكون مباشر حول اللائحة شكرا لكم سلام لاباس طارق سكرتير الرياضية دونك شفنا البارح الماتش ديال سيفي شفنا الحالة ديال بونو أكيد كتواصل مع اللاعبين ديال ليكيب ناسيونال واحد بواحد التليفون بغينا نعرفوا الجديد ديال الحالة ديالو أكيد تواصلتي معاه البارح وفي هاد لي دو ماتش اميكو واش غادي تدخل بمونير كجوي ولا غادي تجرب حراس جداد ان شاء الله ماتي je l'ai pas eu directement Yassine كان تليفون طافي باسكو il est en récupération عنده يومين اللي خصو il a eu un traumatisme crânien donc il doit être à l'hôpital où ils doivent surveiller son état mais j'ai eu son représentant qui m'a dit que alhamdoulilah ça allait bien donc dans 48 heures il devrait sortir et il devrait aller mieux pour pouvoir nous rejoindre ensuite l'idée d'y aller c'est pas de faire beaucoup d'essais on a une équipe liée Radia Mzien l'idée c'est que le groupe y grandisse qu'on progresse Chauve-tour, on n'a pas choisi des matchs amicaux faciles contre le Raïs il chauffe des équipes où on va être en difficulté pour continuer à progresser et je voudrais le remercier parce que ben chez Gymnal Brésil fil Maghreb Amram qui est le Brésil l'a battu fil Maghreb fil l'histoire donc voilà c'est des grands matchs où on va encore pouvoir progresser fil la lignée de la Coupe du Monde qu'on a nous choisi des petites équipes par le Kabel nous avons pu avoir 4-3 je m'en réfrache ou le Mudderribi il sort de bas dit goula on a mis un rapin on a farqa non on se met dans la difficulté parce qu'on sait qu'on a des challenges qui nous attendent mais pour faire des essais non si Bono il est apte c'est le numéro 1 le numéro 2 c'est Mounir et ensuite vous avez vu Jibna Reda ou Ben Abid باش نشوفو حتى مع Ben Abid l'avenir ou voilà on est radin mais on est content des gardiens pourquoi changer Salam alaykoum le plus les radis عطينا المواجهات منتخبات بحال البرازيل والبيرو خاصه ان المنتخب المغربي مقبل على استكمال التصفيه ديال كاس افريقيا ومقبل ايضا على استعداد لنهائيات كاس افريقيا قبل يعني بعد اقل من سنه من الان شنو هو لو بلوس اللي كننتظروا من مواجهات منتخبات بحال البرازيل والبيرو وسؤال واحد اخر بخصوص لاعب الجيش الملكي حمزه ايغامان ما عرفتش واش تبعتي اللاعب خاصه ان كانت بعض التقارير اشارت لانه ممكن يتم الاستدعاء ديالو في اللائحه شكرا اخو الله يجازيكم سؤال واحد Bon, première question à les matchs. Berda, c'est bien aussi de communiquer parce qu'il y a beaucoup de désinformations. Déjà, Ran Labo, deux équipes sud-américaines, parce que Ran Aoudars, comme Tarfo, les calendriers mondiaux, on ne peut pas inventer des matchs. Il y a des matchs de qualification en Afrique, donc Makenj Fraki, il y a Kudrou Labo maintenant. Donc, bien sûr, on prépare la Coupe d'Afrique, mais Anash Machkon Labo, à part peut-être des équipes qui étaient suspendues, et ça ne nous apporte rien. Après, en Europe, donc les qualifications de Tirmadi, le championnat d'Europe. Donc, on n'a pas le choix de jouer les équipes sud-américaines. Et quand on n'a pas le choix et qu'on peut jouer le Brésil, qui est pour moi la meilleure nation au monde en termes d'effectifs, et le Pérou, qui est peut-être 20e ou 22e au classement mondial, ça ne fait pas. باش قبل ما تسول تعرف علاش لعبنا ديجا دي زيكيب سود امريكان ولا شنو غاتجينا نلعبوا البرازيل كيفاش نقدر نجاوبك اون جو البرازيل سي البي دو فوتبول ils ont des top joueurs mondiaux ça peut que nous apporter quand tu veux progresser tu te frottes au meilleur donc voilà se frotter au meilleur ça peut nous apporter que des bonnes choses que de se frotter au moins bon donc voilà La réponse, elle est dans la question. Bonjour, coach. Nassim Elkarf, SNRT News. Le Weldi El Lefar, il est comme tous les joueurs. Il y a une liste à faire. Le jeune, c'est un jeune en progression. C'est un U23 olympique. Ali Kangoul, il était dans la présélection comme beaucoup de joueurs. On le suit, qui travaille. Par contre, une Choma, pour le futur, il faut les accompagner, ces jeunes joueurs. Mais si Alech Marka au Kletet But ou l'Arbaat But, une Tiabain, et au sol, l'équipe nationale. Goutte, maintenant, on est la quatrième nation à la Coupe du Monde. Pour intégrer cette équipe,
on a un travail avec le staff quand tu vois ay wahed et au moment l'Iran Golo c'est peut-être le moment iji chem riha de l'équipe il y a une progression li tawa khsa dar pour progresser bach iji l'équipe première de l'équipe nationale bach ma nhagrouch tawa nhagrou plutôt bach nhagrouch اسمح لي على الدارجه ديالي pour pas le brûler pour qu'il apprenne donc lui il est sélectionné je pense avec les U23 olympiques عندهم 3 matchs amicaux يمشي marquer كل match يبين والبطوله ودبزو مع لي فا عندهم لا كوب دافريك ويزيد والوقت ديالو ولا جات له ان شاء الله غيكون خير bonjour coach Nassim El Kerf fait CNRT News tout d'abord on a compris que vous avez essayé de garder un peu la même ossature. On a vu des noms qui sont nouveaux, surtout je pense aux latéraux, et d'autres qui ont un peu sauté, comme Ilyas Shaer, ou d'autres qui ne sont pas là, on s'y attendait un peu, comme Ben Serrer de Monaco. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces choix-là? C'est des choix purement techniques, et si vous préparez concrètement l'avenir, avec, surtout quand je pense aux latéraux, parce qu'il y a beaucoup de et en défense aussi avec Shadi. Ouais, il y a eu des choix qui ont été faits par défaut, Ilyas. C'est pas un choix technique, c'est il est blessé, ça fait 15 jours qu'il joue pas. On ne sait pas où il en est. Est-ce qu'il va pouvoir jouer en fin de semaine? On ne pouvait pas prendre le risque d'attendre et de le mettre dans la liste pour après le retirer et rappeler quelqu'un. Je préférais avoir des certitudes dès le départ. Ilyas, il fait partie de mon groupe. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté au mondial de par son attitude et de par ses qualités pour le futur. Donc voilà, il est blessé comme Amelah. Donc voilà, ça c'est des choix. Massina aussi, il pouvait faire partie de la liste, il était dans la présélection, il s'est blessé. Donc par rapport aux blessures, justement, c'est là qu'on a intégré certains jeunes au milieu de terrain pour qu'ils puissent sentir l'odeur du groupe. Mais Ilyas Shaer, ce n'est pas un choix technique. Après, pour le choix des latéraux, on a l'avantage de savoir que Mazraoui peut jouer à gauche. On a Achraf aussi qui peut jouer à gauche. On a Atiatla qui a prouvé au Mondial qu'il était capable de jouer à un haut niveau avec nous. Mais on prépare l'avenir. Le cas Amraoui, il a 18 ans. Il vient de débuter en Ligue 1 à Nice. Il a joué peut-être 3 matchs consécutifs titulaires. Il a joué en Coupe d'Europe, il a marqué un but. Alors peut-être c'est un peu trop tôt pour lui. Mais pour moi, il n'est jamais trop tôt. Des joueurs comme Achraf, ils sont arrivés tôt. On lui envoie un signal fort pour lui dire que voilà, la porte elle est ouverte. Et on envoie aussi un signal fort à beaucoup de binationaux pour dire que l'âge n'importe pas. S'il y a de la qualité, qu'ils ont envie de défendre les couleurs du Maroc, ils sont les bienvenus. Et un joueur comme Amraoui, il était avec les U20, il était avec les U23. Il suit la progression de la politique de la DTN. Donc voilà, c'est un signal fort. Et quand tu joues à Nice en Ligue 1 à 18 ans, c'est que tu as des qualités. Donc voilà, il va venir, il va intégrer le groupe, il va prendre l'odeur, il va s'entraîner avec des joueurs comme Mazraoui, comme Hakimi. On va l'aider à progresser en équipe nationale. C'est pour ça que la blessure de Massina, elle a ouvert la porte aux gamins. Bonjour, Kautal Oudreli de l'AFP. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez parlé avec Achraf Hakimi depuis sa mise en examen et quel regard vous portez sur cette affaire judiciaire? Merci. Oui, j'ai parlé avec Achraf. Je parle souvent avec Achraf comme beaucoup de joueurs. Il est serein, voilà, c'est le plus important. Nous, on est avec lui. Comme on a dit, il y a la présomption d'innocence. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf. On le soutient. Et voilà, comme je l'ai dit, il faut qu'il pense au football d'abord. Il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires-là pour lui, mais nous on est tout cœur avec lui et Achraf, je pense que ça lui fera du bien justement de rentrer au Maroc, de sentir le soutien et de sentir qu'on le soutient. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui est fort sur le terrain et en dehors du terrain. Amine Birouk, Radio Mars. Bonjour coach. Salam Amine. Comment vas-tu? Alhamdoulilah. Alors justement, situation, il y a le capitaine, Romain Seyss, qui ne joue plus du tout en club. Est-ce que vous êtes en contact permanent? Est-ce que vous avez été rassuré? Et par rapport à l'état de santé et à l'état de forme de Mazraoui, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis la Coupe du Monde à cause de ses soucis de santé. Pareil Amine, faut que tu bosses tes cours avant. Il vient de rentrer 10 minutes ce week-end. Donc il a disputé... 10 minutes? Donc il a disputé des minutes. Donc, Romain Seyss y jouait avant, il n'a pas joué ce week-end et il est entré. C'est quelqu'un avec qui on est en contact permanent. Tous les joueurs, on les a toujours, ou moi ou le staff.
On prend les informations. C'est pour ça, avant de faire la liste, on a bien pris toutes les informations pour ne pas faire d'erreur. Romain, c'est le capitaine. Là, il a eu un peu moins de temps de jeu, mais c'est peut-être pas plus mal après la Coupe du Monde qu'il a fait, que par rapport au rythme qu'il a eu. Il est serein. Il a eu quelques soucis avec son club à son retour, puisqu'il devait peut-être quitter le club. Ça lui a peut-être porté préjudice, mais c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Après, voilà, c'est un de nos leaders. On en a besoin. Qu'il ait un match ou deux de moins, ça ne m'empêche pas de compter sur lui. Ce sera un souci si ça perdurait sur du long terme. Mais sur du court terme, ce n'est pas un souci pour moi. Salam alaikum, c'est Walid. Prosos Timtiye, le la'ibin, Zouhair Hijari, Mouqa le 360 Sport. Fainoua. Salam. Zouhair Hijari, Mouqa le 360 Sport. وليد تمتية ديال اللاعبين ديال البطولة المحلية ضعيفة في سكواد ليست ثلاث لاعبين فقط عطية الله وجوج حارسين ديال المرمى واش وليد ما مقتنعش بالمنتوج المحلي وشفنا جبران ما كاينش اللي كان في اللائحة ديال لاكوب دي موند وحتى وليد ما بقيناش كنشوفو كيتبع المباريات ديال البطولة واش عندك كاين شي منتوج ما كيروقش وليد ركراكي باغي متابع يمكن ما كتشوفنيش يمكن كنمشي بكاسكيتا ولا كنمشي لليلوج تفرجت بزاف الماتش ديال البطوله كنعرفها بعد كاس العالم تفرجت محمديه في وجده ضد لوفوس لي فار ما شفتونيش دابا صعيب ملي كنمشي للستاد خصني نتحباه هي هذه المشكل هاك الحمد لله لا ما غاديش ندخلوا في ديك الشيء ديال قبل كان avant ou après la Coupe du Monde. مابقاش ندخلو في بوطولة ماشي بوطولة. C'est pour moi c'est les meilleurs du moment où هادو اللي جايين في الفوتور. هما اللي جاو. جبران c'est un joueur qui est très important pour moi. Et donc ça prouve que Makanjish العاطفة. En ce moment pour moi il est un peu moins bien. Yahya. Même si son dernier match à Petro il a fait un gros match. Mais c'était peut-être un peu trop tard pour intégrer la liste avant. Mais si Jbran il compte. اللي كنت كنعرف واللي كنت باغي دونك سي بوتيت ان ميساج ليحيى باش يفيق اي انكور دو او تخوا موا دو كومبيتيسيون افون لي ماتش دو جوان لا ليست الي با فيرمي اون سيليكسيون كوم اون دي سي اون سيليكسيون كاينين يقدروا يدخلوا كاينين يقدروا يخرجوا يحيى خرج ابخي في لي زوت جوار ديال بوتولا Aujourd'hui, malheureusement pour eux, ce n'est pas une question de niveau de talent. C'est une question qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est une grande équipe. C'est le seul problème, les Andom. C'est que si tu es un ailier Flabotola, c'est que tu as Ziyech, c'est que tu as Zerzouli, c'est que tu as Zarouri, c'est que tu as Abouklel, qui est marqué, c'est que tu as Nasiri, c'est que tu as Amrabat. C'est qu'on te fait. Maintenant, les binationaux qui jouent, qui sont là pour faire un peu de temps, c'est qu'on te fait. C'est que tu as marqué 25 buts dans le Botola, c'est que tu as marqué assist ou tu as marqué buts tous les week-ends, c'est que tu as un. مي انا ما عنديش بطوله ولا ماشي بطوله كنفرج ولا شفت باغ اكزومبل كان عندي الولد ديال لي فار بحال اللي قلت له لاتاكون مومون دوني ماركا 4 بوت مي سي با باسكو تا ماركي 4 بوت سور دو موا كو غاتحيد ناصيري ولا حمد الله ولا شديرا اللي تا هو كي ماركي زيد ديروا لي الدق بحال اللي كنقول مي ولا عندك ان نون اللي كيبان لك انت كان عنده بلاصتو قولها لي باش نهضروا عندك شي واحد اللي كيبان لك كان نقدر نحيد لواحد اخر ولا لا بطوله ما نبقاوش حتى نتوما ما نبقاوش بطوله ولد محلي بيناسيونال سالات بريزيدون حيد ديك محليا دابا عندنا او 23 ما بقاش محلي عندنا ايكيب ا اللي كيستاهل يجي بطوله لعب في خريبكا لعب يقدر يطير اكيرد ولا عندك شي ديفونسور سنترال وكيستاهل غيجي وفي لابخي ليست دير بزاف ديال اللعابه ديال البطوله ما مومون دوني عندي 30 بلاس 26 بلاس كنفكر في لو فيتور واللي يستاهل عندهم دي او 23 عندنا دي جوار ديال البطوله او 23 اللي جايين غيمشيو على لي او 23 يبانو مي بور موا يا با دو بطوله با بطوله عندي واحد كيلعب في الطليان واحد في المغرب واحد في مصر واحد في قطر واحد في السعوديه اللي كيبان لي يقدر يدخل في الجروب ديالي مرحبا اخر ثلاث اسئله شاد سلمى صحفيه في اذاعه ايت راديو كوتش وليد كنا قرينا تقارير انه كاين علاقه توتر بين الاخوين سامي وريان مايي مع المنتخب الوطني
شفنا اسم سامي ماي في لائحة الموسعة، بغينا نعرف واش كان تواصل بينك وبين الأخوين ماي. Pareil, c'est un souci, c'est bien qu'on en parle. Et moi, j'ai de soucis avec personne. Les frères Maï, ils n'ont pas de soucis ni avec moi, ni moi avec eux. Il y a une liste, il y a le football, il y a une sélection, comme j'ai dit. M'a dit Tchoum Flalis, la Coupe du Monde, peut-être contre Alat, peut-être j'avais raison. C'est les choix d'un sélectionneur. Ils étaient dans la présélection, mais après, j'estime qu'aujourd'hui, il y a meilleur que eux pour le moment. À eux, par leur performance, يخدموا فحال اي واحد فحال جبران اللي قلت له يخدموا باش يرجعوا في المنتخب المنتخب بحال يقول سي با ان كلوب سي ان سيليكسيون اي سي اوسي اون الكيمي اللي كنفتيش باش نكونوا عندنا ان ايكيب فهاد ليكيب بور افوار لي ميور بيرفورمانس بوسيبل اي ابري سا او او كوتيديان دون لور كلوب دو ترافايي دو فير لو ماكسيموم باش يرجعوا و بور مي مونتري كو جي تور دو با لي سيليكسيوني ابري سي فري كو Benjamin Kudbosh, il y a eu des joueurs qui ont moins joué avant la Coupe du Monde, les Ditom, par rapport aux performances qu'on parle. Après, c'est des choix que je peux assumer sur un moment à court ou moyen terme, mais à long terme, Halikan Rangul Had Group, l'IREJ, les décisions de prochains clubs et les décisions que je prendrai à l'avenir, elles seront primordiales parce que je prépare la Coupe d'Afrique. Et donc, il faudra bien choisir son club, il faudra bien choisir l'évolution de leur carrière, mais chez Dorlo Fad Group, parce que la concurrence, plus on avance, et plus le Maghreb, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver, il y a des joueurs qui vont jouer dans des grands clubs et qui vont vouloir venir à l'équipe nationale et piquer la place de Wahdine. Donc chacun doit penser en priorité pour l'équipe nationale ou la Baréji dans leur choix. Mais pour les frères Maé, non, Matassal Jbuhum, parce que je ne vais pas appeler à chaque fois tous les joueurs pour expliquer un choix de sélectionneur. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui l'expliquent. Alors, quand j'estime qu'il faut que je prenne le temps d'appeler, je le fais. Quand j'estime que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai préféré un tel que un tel, non, la sélection, je n'ai pas expliqué Kandela Lis Diali. Quand il y a des blessures, quand je prends le temps d'appeler pour savoir ce qui se passe. Quand il y a des méformes, je prends sur des joueurs très très importants pour moi. Mais après, Ey Wahed, Rassou Ikhdim ou Marhaba, l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. السلام عليكم هشام بن ثابت من جريدة العالم سي وليد شنو وجدتي لنا بالنسبة للاعبين باش تخرجهم من الأجواء ديال المونديال والفرحة ديال المونديال ويبداو صفحة جديدة ديال منافسات أخرى اللي هي منافسات الإفريقية شكرا Moi déjà le discours, ملي غايجيو ça fait, ça l'est, le كأس العالم, on a des objectifs à moyen ou long terme. Donc voilà, تا الدراري باني غيجيو عارفين شنو كيسناو لهم دابا فرحنا المغاربه بالحق بغينا نفرحوهم اكثر دونك اون ا دو ترافاي اون ا دو ماتش باش نعرفوا ا كيل نيفو اون انكور ابري لا كوب دو موند اي بوتيت كو لا ريبونس غتكون في التيران غنشوفوا المستوى ديالنا مع البرازيل ومع البيرو ومن بعد اما غنتقلق اما غنكون فرحان سعودي غيفهموا ملي خصنا نبقاو في هذا المستوى ولا ما لعبوش بحال اللي كنا في كوب دو موند سا فدير كو Que justement, Mazel Anna Rasnaf Coupe du Monde. Mais je ne pense pas. Je pense que ce groupe, il sait où il veut aller. Inch'Allah, on va bien travailler la semaine pour faire deux grands matchs contre le Brésil et contre le Pérou. Inch'Allah. Akhir Soal, tout le Yusuf Chani, Radio 2M. Walid Elgaghi, on sait que l'après Coupe du Monde, Machi Bhel avant Coupe du Monde, wesh, il y a des joueurs qui vous ont contacté directement, Machi Lipsou le maillot. Wesh, il y a une facilité de convaincre. On parle de quelques joueurs qui ont été l'imchiti de 8e pour qu'ils viennent à l'équipe nationale. Est-ce que c'était plus facile à toi de les convaincre ou pas? Merci. C'est pas une question de plus facile ou pas plus facile. C'est pas une question de convaincre. Convaincre, j'aime pas le mot, en fait. Parce que convaincre, ça veut dire hna kan mchou hna kamgharba, mchou ngoulou la hafdek ajit la m'ana. Ma kainach le discours d'yali. Ni kan mchou ngles m'abrahim. Ou la Kamchine Gles m'a des binationaux, pas qui ont de l'incertitude, c'est d'abord pour présenter le projet. Ou Bachin Gouloum, voilà, mon discours, il n'est pas plus facile, il est réel. Kan Gouloum, le Farqad, il y a le demi-finale, la dernière demi-finale, il y a le Coupe du Monde, les Rabhat Espagna, Portugal, Belgica, la bête ma Croatia, Rabhat Canada, ou qui est dans le top 11 mondial, où il y a un projet à moyen long terme avec des joueurs de très haut niveau, avec des conditions extraordinaires. Voilà, la porte elle est ouverte pour venir. Britidji, marhaba, ma Britidji, c'est tout, il est simple le discours. Mais après, pour avoir ce discours, il faut quand même s'asseoir parce que c'est des êtres humains. Il faut discuter, il faut leur présenter le projet. Fain Brennan Mchiou, ou Fain Brennan Wuslo, ou Echoma Rechoforasom Fat Projet ou Lelle.
chef Rassoum, le projet il est intéressant. Marhaba, ma kainache, des Marocains qui veulent défendre le drapeau, chauffe-t-on casser le LM, il y en a beaucoup et qui sont prêts à le défendre au plus. Mais après, attention, bien sûr, qu'on cherche toujours à améliorer le groupe avec des joueurs de très haut niveau et de qualité, parce qu'on veut toujours, nous aussi, gagner des titres et être au haut niveau. Donc voilà, on fait le travail avec le staff pour suivre tous les meilleurs Marocains dans le monde, comme je l'ai dit, qu'ils soient dans la Botola ou à l'étranger, des futurs pépites. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on respecte notre équipe nationale. C'est-à-dire que dans les grands pays européens, leurs meilleurs joueurs à 18 ans, 19 ans, ils viennent jouer avec les U20, ils viennent jouer avec les U23, et ils font le cycle, comme a fait Achraf Hakimi, comme a fait Nasseri, comme a fait Mazraoui. Ils ont joué avant avec les U23, mais chez Ib, Dji, avant avec les U23, et après intégrer les A. Et le meilleur exemple, c'est Akannous, qui a les U23, Egyptum Bad. Mais au moins le choix il est clair. Mais le chantage, Ali Gould, non mais moi si je viens c'est juste avec les A au départ. En tout cas avec moi ça ne fonctionnera pas. Et ils le savent. Et tous ceux qui sont dans la liste aujourd'hui, qui peuvent être U23, et je crois si je ne me trompe pas avec le staff, qui peuvent être U23, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer aussi l'avenir, c'est des joueurs qui ont fait le choix de venir défendre les couleurs du Maroc et c'est tout en leur honneur. Et peut-être qu'ils peuvent être avec moi du lundi au jeudi, et le jeudi intégrer les U23, aller jouer un match de U23. Mais il y a la passerelle. C'est ce que j'essaye de faire pour l'avenir. Mais Inch'Allah, le discours, pour être honnête, avec beaucoup de joueurs, il est positif. On avance dans le bon sens. Oui. السلام عليكم قائمة بلعوشين قناة الأولى الأكيد أن هذا الماتش ديال المغرب مع البرازيل كلشي كينتظروا كما قلنا ماتش تاريخي أول مرة البرازيل أول مرة الفريق الوطني أمام الجمهور ديالو في احتفال بالملعب الكبير بطنجة سهرة رمضانية من بعد صلاة التراويح نلقاو بأنه التير غادي يكون عامر غبت نسول واش مرة أخرى سير غتعاود إن شاء الله أمام البرازيل Je m'en liquide qui me fatigue. Non, la vérité, c'est que on est très content. Je pense que tout le monde est content. On a joué à Ken Mouhim, on a joué match au Maghreb. Il a dit que c'était la condition importante. Mais on voulait ramener un grand pays de football. Parce que je pense que le Jomour Maghrebi, ma Chonoderf, Kessel Alem, Jay Sednalhe, ou Nes Limsekin, Makdrouchi Safro, Ishofo Lfarka. Qu'un à la hauteur de l'amour l'Ihtaona et du mérite les Jumour Maghrebi, Imma Fel Maghreb, Imma Ala Barra, il mérite un grand match. Et je pense que quoi de mieux que de jouer le pays du football, le Brésil. Donc en plus à Tanger, on joue à Tanger parce que c'est le stade aussi, les 65 000 places. Donc un peu plus, le plus de supporters, mais Chijiou. Ça va être une fête, mais ça reste un match important, Lina. On ne le prend pas comme une fête seulement, Majumour. On est content de jouer Foddar, mais on veut faire un grand match. On veut montrer que Moussaoua Kaina. Et on est vraiment content de chauffer le Jumour d'Yelna. Et encore, Kanaouda, leur dire merci à l'Hubli, Mirtaouna, de la Coupe du Monde, ou Moura de la Coupe du Monde. Ou Pali Goult, Nia Kaina d'abord. Donc, Khsan Prof, Nia, Inch'Allah. Ça fait les questions? Bon, c'est bien. Pour finir, juste, Kounbarin Sali, à la litra, ces derniers temps, par rapport au président de la fédération, Fawzi Lkjaa. Premièrement, déjà, je voudrais le remercier, parce que voilà, moi, ça fait pratiquement 6 mois, li kan khdem ma'ah, ou kan chouf, le travail li kay dir au quotidien, la passion li kay hte à la kora maghrebia. Et l'itra had l'IMET m'a jibnish parce que m'ni 4 qesso le président de la fédération f'hali 4 qesso le moutiakhab f'hali 4 qesso le football marocain parce que sans parler de critique la critique ay wahed iqbla et je pense que le président il est très bien placé pour accepter la critique et quand il y a de la critique ça va quand il y a des insultes quand il y a une cabale médiatique f'hali daret had l'yumayen qu'on le veuille ou pas, leader
pour le football marocain. Et vous avez le parfait exemple devant vous, hein, un joueur qui a joué pour l'équipe nationale, qui a été adjoint et qui a vu l'évolution du championnat, les infrastructures, le Moussaoua Diaba, Diel Mountiahab, les participations aux Coupes du Monde, que ce soit masculine, féminine, les clubs marocains maintenant aujourd'hui qui règnent sur l'Afrique, les Champions League gagnés par le Wydad, les Coupes de la CAF par Berkane ou bien le Raja, les Supercoupes, les Champions League féminines. Le football avance bien. Et je pense que c'est dommage parce que Hadart Al-Niya, qu'après la Coupe du Monde, au Bentley Maramara, on oublie encore que la force d'Yelna a dit l'engouement. Alors critiquer, je pense que c'est bien. Par contre, être honnête, c'est encore mieux. Je ne pense pas que les gens qui ont bâti cette cabale médiatique, ce soient les vrais supporters du football. Je pense que ces gens-là se trompent de cible et ce n'est pas le bon moment parce qu'aujourd'hui, voilà, le football marocain est arrivé à un moment qui est charnière pour qu'on avance ensemble. Donc voilà, on est solidaires, que ce soit moi, le staff, ou Ay Wahed Fulkora de Maghreb avec le président, ou Mansouch Mni. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans, on jouait sur des terrains synthétiques au Maghreb. La Botola, le VAR, je pense que c'est le seul pays peut-être en Afrique qui a le VAR. On avance à une vitesse qui est extraordinaire. La critique, ça fait avancer, mais il faut savoir que voilà, moi aujourd'hui, en tout cas, je suis solidaire de tout cœur avec lui. Wana Shahed, Kat Arfoni, Nali Trashi Haja, je le dirais, mais aujourd'hui, le Maroc avance bien ou ça m'a vraiment pas plu. Et c'est pas bon même pour l'équipe nationale ou pour nous. Donc voilà. Mais je pense qu'on est tous solidaires aujourd'hui avec le président. Et c'est bien, mais je me devais de dire un mot à mon nom et au nom de tout le staff pour dire qu'on est avec le président et qu'il fait du très bon travail. Voilà. Shukran. Shukran. La force à mon